la nouvelle expérience acoustique est en marche. Le paysage sonore urbain a beaucoup changé. Le véhicule électrique apporte le silence qui permet de construire toutes les expériences sonores possibles. Notre rôle, c'est de nous assurer que nos véhicules sont sûrs et fiables vis-à-vis des ondes électromagnétiques. Grâce à nos moyens, on a pu aujourd'hui assurer une très bonne performance de tous les systèmes connectés. Sonomètres et autres appareils enregistreurs électroniques mesurent le silence. Le moindre bruit s'enregistre automatiquement de façon très précise. Alors ici, vous êtes dans le centre technique d'Aubevoy. Cette chambre semi-anéchoïque existe depuis la fin des années 90. Je suis Stéphane Barrelet, je suis le chef du service confort acoustique du groupe Renault. Une chambre semi-anéchoïque, c'est un laboratoire dans lequel on va éviter les réflexions acoustiques et permettre de se retrouver dans des conditions de propagation acoustique comme si on était à l'extérieur. Nous mesurons finalement l'atténuation qu'apporte la voiture par rapport au bruit que générerait le moteur, le bruit que généreraient les pneumatiques. La Mégane E-Tech électrique est un véhicule très silencieux. Et pour assurer la sécurité des piétons, dans l'héritage de Zoé, on a conçu de nouveaux sons qui permettent une belle audibilité à l'extérieur tout en maintenant un confort à l'intérieur. Je suis Florian Pardo, je suis expert NVH Life on Board. Je travaille sur le son de la vie à bord. On est sur une piste et on va mesurer le son du véhicule lorsque le véhicule passe. Donc les tests qu'on réalise ici vont permettre d'homologuer le niveau maximum du véhicule pour les nuisances environnementales et minimum pour la sécurité des piétons. L'intention du régulateur est effectivement de rendre discernable un véhicule électrique par rapport à sa proximité, sa vitesse et le danger qu'il peut représenter. Alors, je m'appelle Thomas Antoine et je suis expert leader en acoustique et vibration pour Renault Group. Sur la Mégane E-Tech, nous avons dessiné plusieurs sons d'alerte pour les piétons. Un son plutôt dynamique, un son apaisant, zen, et enfin un son futuriste. Notre démarche acoustique est holistique et concerne en fait l'ensemble de l'expérience acoustique qu'un client va avoir à l'utilisation de son véhicule. En l'occurrence, les bruits d'ouverture de porte, la séquence d'accueil, les alertes éventuelles à l'intérieur du véhicule et puis les bruits liés au fonctionnement du véhicule. Alors, je suis une oreille d'or. Alors, je ne suis pas la seule oreille d'or de l'entreprise, nous sommes une dizaine. Nous sommes à même de juger des véhicules pour leur ambiance sonore, pour leur qualité de restitution, pour leur punch. En effet, il y a toujours une part de subjectivité, mais la subjectivité, par nos méthodes, tend vraiment vers l'objectivation. Je vais beaucoup en festival et c'est vraiment intéressant de voir les artistes se produire en vrai parce que on a le souvenir de ce qu'on a entendu et on peut ressentir dans la voiture, si on a bien travaillé, la même émotion qu'on avait en concert. Les voitures électriques ont une architecture très avantageuse pour les acousticiens et on a exploité sur Mégane E-Tech cette singularité architecturale au service de l'acoustique et du bien-être à bord. On a une batterie massive, rigide, on a un plancher à l'intérieur du véhicule sur lequel il y a des tapis intérieurs et tout simplement on est venu insérer entre cette batterie et le plancher un matériau amortissant qui va calmer les vibrations et donc le bruit à l'intérieur de la voiture. Cette Smart Cocoon technologie nous permet d'avoir une isolation bien supérieure à celle de Zoé puisqu'on est quasiment au double d'isolation et d'avoir une acoustique intérieure très feutrée. La nouvelle expérience acoustique est en marche et elle doit se traduire par offrir une qualité audio remarquable qui est possible par exemple dans Mégane ainsi que des services plus innovants comme la reconnaissance vocale et demain l'identification vocale ou l'écoute audio individualisée. La ville future sera telle que nous la voudrons et l'urbanisme ne servira que cette volonté. Ne serait-ce qu'à cause de cela, le sol de la ville doit appartenir à tous.
finalement, le monde est rempli d'ondes électromagnétiques et donc qui interagissent potentiellement avec l'ensemble des systèmes électroniques. Je m'appelle Stéphane Coumer, je suis chef de service ingénierie chez Renault Group et je suis en charge d'une équipe qui s'occupe des 7 validations. Là, aujourd'hui, vous êtes sur des véhicules connectés avec du Wi-Fi, du Bluetooth, de la data, il y a du GPS, de la radio et de la téléphonie. Et donc, notre rôle, c'est de nous assurer nos véhicules sont tout à fait sûrs et fiables vis-à-vis des ondes électromagnétiques. Donc ça, c'est une chambre full anéchoïque. Donc c'est une cage métallique avec des isolants et elle est entièrement remplie de cônes pour éviter la réflexion d'ondes à l'intérieur de la cage. L'arche est équipée d'antennes émettrices. Donc les petites croix et les grosses croix, c'est des antennes qui émettent à des fréquences différentes. Donc l'objectif, ça va être d'envoyer des ondes en positionnant le véhicule au centre de l'arche. Et donc avec ça, on arrive à faire une cartographie de la réception radio. Et donc on peut s'assurer que dans toutes les positions, la réception radio sera optimale pour le véhicule. La réglementation automobile exige en matière d'immunité du véhicule au champ électromagnétique de réaliser des tests sur une bande de fréquences relativement large qui englobe un nombre important de services qu'on retrouve dans la vie de tous les jours sur route, donc la diffusion radio, la diffusion télé, des bandes de téléphonie cellulaire et encore d'autres exemples. Nous chez Renault, en complément de cette exigence réglementaire, on teste des bandes de fréquences supplémentaires qui nous permettent d'anticiper d'autres technologies qui se déploient. Et surtout, on teste à des niveaux supérieurs, jusqu'à plus de 2 fois supérieurs à ce qu'exige la réglementation, pour prendre des marges pour assurer notre conformité de production, mais également une bonne fiabilité du véhicule tout au long de sa vie. Je m'appelle Xavier Ballon et depuis plusieurs années, je suis en charge de l'expertise compatibilité électromagnétique et radiofréquence pour le groupe Renault. Ici, on est dans la chambre qu'on appelle la chambre CEM. C'est une chambre semi-anéchoïque, donc chambre blindée pour éviter que les ondes électromagnétiques circulent entre l'intérieur et l'extérieur. Et dans cette chambre, nous avons donc un plateau tournant sur lequel on peut venir positionner un véhicule sur un banc à rouleau pour pouvoir mettre le véhicule en condition de roulage. Et en fait, on a différents types d'antennes dans la cage pour permettre de balayer différentes fréquences. Chaque antenne a une bande de fréquences de fonctionnement. En fait, on vient mimer ce qui peut se passer à l'extérieur. Typiquement, par exemple, lorsque vous passez à côté d'une base aérienne, vous avez des radars ou des antennes et qui peuvent éventuellement venir perturber le véhicule. Donc, ainsi, on peut s'assurer que le véhicule fonctionne parfaitement, toutes les fonctions qui assurent la sécurité et la fiabilité du véhicule pour nos clients. La spécificité des essais dans cette chambre pour un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique concerne en fait les essais lorsque le véhicule est en mode recharge. Et donc on va s'assurer quand le véhicule électrique est branché, que la fonction charge opère normalement, on n'a pas d'arrêt de charge. Et c'est une volumétrie de test assez importante pour l'ensemble des validations sur la Mégane E-Tech. On parle d'un peu plus de 200 séances d'essai. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 25% de plus que sur un véhicule thermique équivalent. Donc le cœur de métier de la compatibilité électromagnétique à l'ingénierie Renault, c'est d'assurer de la meilleure fiabilité pour nos véhicules tout au long de leur vie et de faire en sorte que le client, au quotidien, n'entende jamais parler de problèmes liés à notre activité.